Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce retour de course. On est sur un retour de course économique pour 4 personnes avec des menus que j'établis avant de partir faire mes courses. Alors au niveau du menu de la semaine, on a de la soupe de légumes 3 fois dans la semaine. On a aussi du riz au poulet avec une sauce, la sauce aux huîtres, la sauce soja, une petite marinade que je vais préparer. On a aussi des petits pois à poisson pané. Ça, ce sont des choses qu'on a encore dans nos placards et dans notre congèle. Donc je n'ai pas racheté pour cette semaine. J'ai prévu aussi de faire des crêpes avec une salade ou une soupe. Pour dimanche matin, un brunch avec du jus de fruits, des œufs et un avocado toast. Un soir de semaine, j'ai prévu de faire des gnocchis à la sauce tomate avec du gruyère. Dans la semaine, j'ai aussi prévu de faire une soupe aux lentilles avec des oignons et des carottes. J'ai prévu une poêlée butternut avec des châtaignes rôties. Un chili con carne pour ce week-end, c'est un plat qui fera au moins 2 repas. Et enfin, je me suis prévu un repas de secours si jamais on a, je sais pas, un imprévu ou du monde et qu'on a besoin d'un repas supplémentaire. J'aime bien de temps en temps faire des pommes de terre avec de la salade et dessus on verse de la cancoyote. Vous pouvez manger ça aussi avec par exemple des tranches de poulet ou du jambon ou un œuf sur le plat. Alors voilà l'étendue des courses. Pour le détail, je vais vous l'indiquer. Je suis allée chez Intermarché au niveau du drive. Maintenant, avec le travail et pour des raisons de gain de temps, de monde dans les magasins et aussi de respect de budget, j'ai réopté à nouveau pour le drive. C'est une formule qui est plutôt pratique. Et là, on a donc le drive d'Intermarché. Je me suis rendue aussi chez mon boucher pour la viande et je suis allée chez Aldi pour prendre du beurre parce que j'avais oublié d'en mettre dans mon drive. Et du coup, je me suis dit que j'allais voir pour prendre des fruits comme ça. Et également le tartinade de poulet que j'aime beaucoup si vous connaissez pas. Donc là, j'ai pris tout ça et je vous donne le budget juste à la fin. Je commence avec les surgelés. J'ai pris des carottes en rondelles, c'est pour faire de la soupe. En général, je mets les 3/4 du paquet. De la viande hachée pour mon chili. Des courgettes en rondelles pour faire de la soupe. Des épinards qui vont sûrement rester dans le congèle, qui ne sont pas prévus au programme, mais c'est un repas facile, pratique, quand on n'a rien prévu, rien sous le coude. C'est avec, voilà, avec un œuf sur le plat, avec un morceau de poisson pané. J'ai toujours du poisson pané dans le congèle, donc j'en ai repris. Désormais, je prends ceux de Findus, ils sont quand même meilleurs. J'ai pris des brocolis en fleurettes, pareil, c'est un truc que je vais laisser au congèle. C'est du légume vert facile, rapide à cuisiner si jamais. La marque Saint-Éloi, ils sont sans pesticides. J'ai pris des petites pommes noisettes, c'est le même schéma. J'ai prévu de les laisser au congèle et de les sortir si besoin. Alors, je poursuis avec le frais d'Intermarché. J'ai pris des yaourts Danone avec des œufs. Donc, j'ai pris deux sortes. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'est une erreur de ma part puisque j'en voulais 12. Mais comme je cuisine pas mal de gâteaux maison, on fait des œufs, etc. C'est pas plus mal et d'autant plus qu'ils sont à manger au 23-12, 21-12. De la cancoyote de Franche-Comté. Celle-ci, elle est plutôt bonne. On a pris du fromage blanc top budget, il est très bien. De l'emmental râpé, il est très bien aussi. J'ai vu qu'il était à base de lait français, donc moi ça me convient très bien. J'ai pris des gnocchis à poêler, ça c'est pareil, c'est prévu dans la semaine. Et je me garde ça souvent les soirs où je finis tard et où j'ai peu de temps pour faire des préparations. Donc c'est très pratique, on les poêle quelques minutes et après vous pouvez mettre soit une sauce tomate, soit du parmesan, soit un filet d'huile d'olive. Très très bon, vous pouvez les faire aussi en gratin. Moi je fais des fois des gratins avec de la viande hachée, c'est vraiment très bon. Du blanc de poulet sans sel et sans nitrine, c'est de la volaille française. J'ai pris 4 tranches. Ça, c'est pratique voilà, pour manger avec un avocado toast. On peut se faire une tartine et du pain. Et j'ai pris des pâtes feuilletées pour refaire des petits sapins feuilletés. Si vous avez loupé ma dernière vidéo, on a fait des sapins feuilletés. Enfin, je vous mettrai une photo là tout de suite maintenant. Donc, vous puissiez vous rendre compte. Nous, on les a fait sucrés, mais vous pouvez les faire salés. Et je pense qu'on va en faire des salés prochainement.
Ensuite, chez Aldi, j'ai pris du frais, donc des petites tartinades de poulet, tartinades curry. Donc, c'est vraiment super bon. Ils en font aussi un à l'andalouse, mais franchement, je préfère le curry. C'est pas fort, c'est gourmand. Et puis, ceux qui n'aiment pas curry, vous pouvez prendre nature. En plus, ils se périment. Alors, celui-ci, c'est au 17-12, mais j'ai vu que celui-ci, c'était 31. Au pire, on pourrait en faire pour les fêtes de fin d'année, même si je doute beaucoup qu'il soit mangé d'ici là. Ensuite, j'ai pris du beurre demi-sel. Ça, c'est le beurre pour tartiner. Et j'ai repris une plaquette de beurre comme ça. Ça, c'est plutôt du beurre pour cuisiner, pour faire des gâteaux ou mettre à chauffer dans la poêle. Je vous cache pas que la différence entre les deux n'est pas flagrante. Donc, je me suis quand même tâtée pour prendre celui-ci parce qu'il n'est pas beaucoup moins cher. Je voulais regarder la provenance, mais il n'y a pas écrit. Donc, je pense que à l'avenir, je partirai plutôt sur celui-ci ou sur celui qui est sans sel. Et on prend aussi celui-ci parce que pour tartiner, si on a besoin de tartiner vite, c'est-à-dire que vous sortez le beurre et vous tartinez, c'est plus pratique avec ça, parce que ça c'est moins facile, il faut le laisser un petit peu sorti pour pouvoir faire des tartines. J'ai pris des framboises et des myrtilles, parce qu'on va faire une fondue au chocolat. Et j'ai pris ce petit arbre, ce petit sapin, il était à 1 euro en promotion, et en fait je me suis dit il est trop mignon, et j'ai même pas regardé si c'était du vrai, je pense que c'est un sapin artificiel. Il y a écrit que c'est un petit conifère enneigé. Non mais j'ai cru que c'était un faux, mais en fait c'est un vrai. Je reviens sur Intermarché, j'ai pris du coca, j'ai pris du vinaigre ménager. Il est fabriqué en France et il a un degré de 12%, donc c'est plutôt un vinaigre ménager. Ensuite pour dimanche matin, j'ai pris du jus de fruits joker vitaminé, il était en promotion. J'ai repris que 2 litres de lait parce qu'il m'en reste un petit peu et bon j'avais peur quand même de manquer si je voulais faire des crêpes dans la semaine. J'en ai repris 2. J'ai pris du maïs pour le chili, des petites châtaignes pour la poêlée de châtaignes et du foie de morue pour se faire un petit plein d'oméga. Donc voilà pour cette partie-là. Au niveau du boucher, alors j'ai pris des merguez qui vont au congèle, qu'on pourra ressortir à tout moment. J'ai pris des escalopes de poulet pour mon poulet mariné frit avec du riz. Et j'ai pris un petit cordon bleu aux filles pour dans le week-end. Je leur partage en deux, ce qui est quand même vachement gros. Et du coup, je vais pas tout déballer pour l'hygiène, mais il est quand même gros, donc généralement la moitié ça suffit. Et pour ce soir en entrée, j'ai pris des petites perles océanes, sachant que les filles n'aiment pas trop. Donc moi j'avais envie de ça, j'ai pas mangé à midi et je meurs de faim. Donc voilà pour cette partie-là. Alors, pour la dernière partie de cette retour de course, j'ai pris de la sauce tomate pour mettre dans mon chili. Les haricots rouges, je les ai pris déjà cuits parce que sinon ça a cuit pendant 1h30. Donc autant vous dire que c'est un chili con carne simplifié. Des petits croque-sels, des avocats mûrs à point pour l'avocat de toast de ce week-end. J'ai pris le mélange du croc prêt déjà pour le chili, comme ça, ça va apporter les épices. Alors ça coûte un peu cher, c'est des mélanges pour le pain d'épices, donc en fait c'est le mélange, enfin en fait c'est même assez simple, c'est de la cannelle, clou de girofle, noix de muscade, piment, massif, je sais pas ce que c'est, cardamone et gingembre, donc c'est prêt pour le pain d'épices. Moi je vais m'en servir pour faire du jus de pomme chaud et du vin chaud. Et première fois que je vois en magasin du paprika fumé, d'habitude je le prends en magasin bio, c'était 2,30€ le pot, sachant que le pot ça dure 2 ou 3 ans. Enfin moi, nous, chez nous, le dernier pot qu'on avait pris, on l'avait pris à la vie claire, il a duré très longtemps. Donc bien contente d'avoir trouvé ça en magasin. On a pris des petits oursons guimauve, des chocolats noirs dessert et du chocolat comme ça 70%, des muffins pour tartiner l'avocat au toast ce week-end, des petits, comment ça s'appelle ça déjà, des oreos, des génoises à l'orange, des petits bâtonnets comme ça. Ça, je m'en sers pour quand je mets du mascara sur mes paupières, je m'en sers pour enlever le maquillage. De la levure chimique parce que je n'en avais plus du tout. Et du Milka caramel cacahuète, c'est une tuerie. C'était en promotion aussi cette semaine. J'ai pris une barre. Elle est canne.
Alors voilà, je vous ai montré mon retour de course pour la semaine ainsi que le menu. Vous avez vu qu'il y a des choses qui pourront aller pour la semaine prochaine. Je suis sur un budget total de 65 euros à Intermarché. J'en ai eu pour 15 euros à Aldi, donc c'est normal, j'ai pris le beurre, les tartines, donc voilà, tout ça, ça chiffre vite. Et j'en ai eu aussi pour 20 euros chez le boucher, donc j'ai un total de 100 euros pour la semaine, pour 4 personnes. On est sur un budget moyen de 25 euros, sachant qu'on mange tous les midis à la maison. Les enfants aussi, il y a 15 jours où ils vont à la cantine. Donc du coup, je trouve que c'est plutôt bien comme optimisation. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous laisse et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye !